y a les gars qui pratiquent. Moi, je suis en boîte. Je vois deux belles filles. Les filles m'ont plu, mon frère. C'est comme ça que je négocie avec les filles. Les filles me disent que si tu veux comme bac, hein, c'est 100 colos. Je dis qu'il n'y a pas de problème. Et le jour-là, c'était le jour de son anniversaire. Donc maintenant, quand je vais rentrer, lui aussi il a négocié en même temps. Pendant que je négociais, lui-même il négociait. Mais il disait aux filles qu'il a 30 000. Les filles ont dit que jamais. Nous, on ne part pas à 30 000. Moi, j'ai négocié, les filles ont dit que 100 colons, nous deux, tu es d'accord. J'ai dit oui, je suis d'accord. Maintenant, je vais partir, il m'appelle, il me dit que papa, allons chez moi. Moi, j'ai le chez moi, j'ai les maisons, mon frère. J'ai les maisons et l'hôtel existe. Tu comprends? Le gars dit, allons chez moi, mais est-ce que tu vas donner donc l'argent? Il dit que oui. Comme ça, moi, je sais que, ok. S'il donne 50 000, comme ça, moi, je garde mes 50 000. Lui aussi pense que c'est 50 000. On va à la maison. Les filles vont à la douche, elles se lavent. Hein? Elles se lavent. Il roule un gros joint comme ça, là. Un gros joint comme ça. Il dit, mais tu filmes ton truc là même devant les gens, mon frère. Comment tu filmes ton banga là devant les gens, tout ça? Il se met à fumer. Il veut même donner aux filles, les filles là refusent. Les belles filles, pas ce qu'on parle là. Belles, propres. Tu comprends, non? C'est donc comme ça que on est déjà là, les filles. Il veut commencer à toucher les filles. Les filles disent que... Accroche. Il veut commencer à toucher les filles. Les filles, abonnez-vous sur ma nouvelle page. Longuet Simon officiel. Désormais, c'est ici que fait les directs. Je ne pars plus là-bas. À quelque chose, malheur, bon. Donc, il veut toucher les filles. Les filles disent que... Donne l'argent. Ça c'est bon. Donc le gars, on arrive, il se met à toucher les filles. Les filles disent, ne me touche pas, donne d'abord l'argent, mon frère. Les gens disent que je devais prendre ces 30 000. C'est mon corps pour prendre 30 000. J'avais les filles là qui négocient, c'est pas avec moi. Ma faut dire que non, mais c'est moi qui étais le patron. Je suis pas le patron. Je suis désolé, et le gars là t'a raisonné. Même comme ça, tu vois, il te raisonne, tu vois la vérité. Tu ne veux pas accepter. Le gars dit bien que Longuet a négocié à 100 000. Maintenant, il a négocié à 100 000 lui seul. Adamou veut venir. Il doit négocier avec les filles. Les filles ont refusé ces 30 000. Je fais comment? Hein? Les filles ont refusé ces 30 000. Maintenant, lui veut forcer les filles, veut agresser les filles. J'ai confirmé que c'est un agresseur sexuel. C'est comme ça que les filles sont déjà là, elles se sont déjà lavées. Elles sont déjà déshabillées. Parce que le gars, il nous a trouvé en paquet. Il dit que venez chez moi. Il dit qu'on devait payer le chelou. C'est lui qui. Moi, j'ai d'amener aussi les gens chez moi. Oui, tous les hommes font ça. Tous les hommes font ça. Hein? Moi, j'affiche ma vie parce que ma vie, je n'ai pas ma vie sale. Les gens qui se cachent là, qui ne veulent pas sortir du Facebook, parce qu'ils savent qu'ils ont une vie sale. Tu vois pas, non? Je ne me reproche de rien. J'ai une vie propre. Et vous connaissez ma vie sur Facebook. Ceux qui cachent leur vie, c'est les gens qui ont les vies pourries. Hein, Gab? Bien sûr, libérateur. C'est les gens qui ont les vies pourries, qui se cachent. Moi, je ne me cache pas. Je ne me cache pas. Tout le monde connaît où je dors. Tout le monde connaît où je vis. Ceux qui se cachent, c'est parce qu'ils sont suspects. Ils sont suspects, moi je ne suis pas suspect. Et si vous avez déjà vu sur la toile quelqu'un sortir du peuple, le gars me dit à mon argent, rembourse-moi. Vous avez déjà vu quelqu'un venir sur la toile me dit que c'est cela. Voilà l'affaire. Le gars, on arrive, il croit que comme on est déjà chez lui, les filles sont coincées, elles vont prendre les 30 000. Les filles là ont refusé son argent.
Les filles ont dit on ne prend pas 30 000, c'est 50 000 ou rien. Je fais comment? On est déjà là. C'est lui qui nous a amenés là-bas chez lui. Il n'y a pas l'eau. Tu comprends? Chez lui, il n'y a pas l'eau. Il n'y a pas l'eau. Non. Dans un quartier pourri là-bas, la douche, là, tout ça, avec le marécage. Tu comprends, non? Mon frère, on dit que c'est moi qui devais prendre les 30 000. Je prends les 30 000 que c'est mon corps. Hein? Moi, j'ai pris deux filles. J'ai donné 100 000. Lui, maintenant aussi, il veut aller avec les filles. Les filles disent que donne 50 000. En fait, il voulait profiter derrière toi. Il refuse. Les filles ont dit que tu ne nous touches pas tant que tu ne donnes pas 50 000. Ma foi insistait, elle dit que non, c'est le gars qui devait prendre l'argent là. Je prends l'argent là que moi je suis un PD. Celui qui a dit que non, tu ne peux pas faire l'amour avec un autre homme à côté si tu n'es pas un PD. Mon frère, je ne suis pas un PD. Mais si j'arrive là, ben, un PD me donne 2000 euros, je le massacre le derrière. Oui, meuf, il me donne l'argent, je le massacre. Tu comprends, non? Quand tu massacres un fil au derrière, c'est pas différent du derrière d'un homme. Tu mets ta capote, tu le massacres. Vous cachez quoi? Vous cachez même quoi? Hein? Vous parlez de quoi là? Vous avez les vies pourries. Ma foi, depuis que je fais les. Depuis que je fais les. Dans le social, tu n'as jamais fait un direct pour encourager ça. Tu as d'abord fait un direct. Chaque fois que tu apprends que le gars a cogné le pied, pap, tu lances ton direct. Mais moi, je t'aime. Donc, désormais, toi et moi, c'est. Ma foi, la gloire. Comme ça. Le grand amour. Le grand amour, je crois que toi et moi, mais on va se marier. On avait déjà parlé de ce mariage, ma foi. C'est toi qui avais gâté. Parce que chaque fois que je repose mes choses, les gens sont contre moi parce qu'ils sont jaloux. Il n'y a pas deux choses, c'est la jalousie. On vole ma chaîne. Je dis qu'on a volé ma chaîne. J'ai vu comment vous avez fait le direct pour massacrer Alice Omombeng. Qu'elle a volé 8 000 euros. Elle a volé 8 millions. Mais depuis que moi je me plains, vous n'avez jamais fait les directs pour me défendre, pour accuser, pour condamner celui qui a volé la chaîne. Ce que j'ai fait venir en France, ils ont dormi dans ma chambre 2 semaines. Vous n'avez jamais fait les directs pour les condamner. Mais quand il s'agit de Longa Longa, c'est bien fait pour Longa Longa, mon frère. Ça ne m'affecte pas. Je suis bien. Regardez-moi encore. Regardez-moi, je suis bien. Je gagne bien ma vie. Je gagne bien ma vie et je gagnerai toujours bien ma vie parce que le seul juge, c'est Dieu. Vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien dans la vie d'un être humain. Vous n'êtes rien et rien. Vous êtes des rien. Donc, personne n'a au-dessus de tout ça. J'ai pris un métier et ce métier me nourrit. Tu comprends? Le 17, je voyage. Je ne vous dis pas où je pars. Je voyage. C'est ça. Vous allez faire comment? Dans la vie, est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui t'en veulent? Qui les connaissent pas, mais ils connaissent ta vie mieux que toi. Là-bas, il y a l'église, là-bas. Je vois, il y a l'église, il y a le bruit. Dans la vie, viens voir. Voilà. Abonnez-vous. C'est ma nouvelle page, c'est ma page, Longa Longa officielle. Abonnez-vous, désormais, c'est ça que j'utilise. Je voulais utiliser ça quand je serai dehors, mais là c'est déjà bon là. Abonnez-vous. C'est ça. Si tu ne m'aimes pas, c'est ton choix. Faut pas mener les autres à me détester. Si tu ne m'aimes pas, oh, c'est toi qui vois. Faut pas mener les autres à me détester. Dans la vie, est-ce que tu sais qu'il y a les gens qui t'en veulent? Tu ne les connais pas, mais ils connaissent ta vie mieux que toi. Dans la vie, est-ce que tu sais qu'il y a les gens qui t'enveloppent? Tu ne les connais pas, mais ils connaissent ta vie mieux que toi. Grand maître. Tu ne m'aimes pas, c'est ton choix. Faut pas mener les autres à me détester. Si tu ne m'aimes pas, oh, c'est toi qui y vois. Faut pas mener les autres à me détester.
Mafo, non, tu as confirmé toi-même que le grand maître reste. Il a le bazooka. Tu as confirmé que le gars a le bazooka, non, un bon plantain. Hein? Regarde. Même la manière que Dieu m'a créé, la taille, le charisme, la prestance, le cabaret est là, les vêtements qui coûtent cher. On dirait un Canadien. L'élégance n'est pas un péché. On dirait un Canadien pleure. Voilà. Bientôt, on veut faire les ponts. Rien que. Rien que pour toi, Mafo. Rien que pour le ventre. Rien que, voilà, rien que pour toi, Mafo. Ouais, Mafo, je t'adore. Je te donne les ponts de commerce, Mafo. Lance. Envoie-moi ton numéro, Mafo. Maintenant, toi et moi, c'est. Barré collé jusqu'à là. Non, maman, on doit même travailler ensemble, Mafo. Parce que. Toi et moi, on a presque, on a, qu'est-ce que je peux dire? C'est-à-dire, les gens nous aiment, malgré ce que nous sommes. Tu vois, non? Les gens nous aiment. Les gens aiment Longuet Longuet. On aime Longuet Longuet et sa grosse tête, sa grosse gueule, son gros ventre. Les gens aiment Longuet Longuet comme ça. Hein? Parti de zéro pour devenir héros. Parti de zéro pour devenir héros. Je vis maintenant à Aqua. Je suis propriétaire à Aqua. Le terrain ici, 18 millions pour 160 mètres carrés. Achète 2000 mètres carrés à Yassa. Je répète encore pour ceux qui n'ont pas compris, je dis bien, ne n'avance pas. 18 millions, tu achètes ici là, 160 mètres carrés. Avec les 18 millions là que j'ai acheté ici, à Yassa, tu achètes 2000 mètres carrés. À Mbangé, tu achètes 1000 mètres carrés. À Lobissou, tu achètes. Moi, je n'ai pas habité dans le coin comme ça parfois. Quoi. Je préfère vivre ici sur 200 mètres carrés. Hein? Parce que je dois acheter à Bonapriso. Moi, je dois acheter où les Mouchimbe, les Bokom, les Nana, tous les milliardaires du Cameroun vivent à Bonapriso. C'est là-bas que je dois acheter. Je suis né pour avancer. Vous comprenez? Je suis né pour avancer. Donc, n'avance pas. Oh, d'accord, vas-y. Reste là, laisse. Pour qu'on voie la taille. Dans la vie, est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui t'en veulent? Tu ne les connais pas, mais ils connaissent ta vie mieux que toi. Si tu ne m'aimes pas, c'est ton choix. Faut pas mener les autres à me détester. C'est aujourd'hui que j'ai compris que Mafo fantasme sur Longuet Longuet. Elle aime Longuet Longuet, mais Longuet Longuet ne comprend pas le bruit. Parce que chaque fois qu'il y a un truc, la compression ne parle pas. Lolo Fondia ne parle pas. La seule personne qui réagit toujours, c'est Mafo. Et qui aime bien, châtie bien. C'est ça. Balancez la vidéo. Balancez la vidéo là. Où Longuet Longuet est en train de passer deux filles à tabac. Balancez la vidéo. Parce que s'il y a la vidéo là déjà, les deux filles vont porter plainte. Moi je vais porter plainte. Ça va faire trois plaintes. Contre ce laid type. Ce laid type, le visage laid d'amour. Affreux, il est affreux, il n'a même pas parlé, il est affreux. Voilà un monsieur qu'on a pris la femme à 16 ans au village, on l'a envoyé ici. 16 ans, il dit, c'est moi qui l'ai déviergé, c'est moi qui l'ai déviergé. Comme il parle avec la langue là. La fille, la mère a pris la femme au village, 16 ans, envoyé à un pédophile. Et il est au tribunal pour un même problème comme ça. Un même problème de 16, d'une fille de 16 ans. Que sa mère vendait le poisson à la douche. Le père de la fille a pris les gens, on a cassé tout le sinac. Cassé le sinac. Mais comme c'est l'Afrique, on peut te porter plainte, tu négocies avec les magistrats, l'enquêteur, l'affaire finie. C'est pour ça qu'il est là. Sinon, c'est un prisonnier. Moi, j'ai assumé. Tu ne pourras pas dire que moi, j'ai les problèmes en France. La justice m'a laissé venir 7 fois au Cameroun. Hein. Je suis venu.
Je me suis présenté. J'ai comparu. J'ai comparu libre à mes deux jugements en provenant du Cameroun. Hein? Mais toi, comparé libre, ouais. J'ai comparu libre à mes deux jugements en France, en provenance du Cameroun. Parce que la justice me laissait toujours venir au Cameroun. Quand j'ai fait l'album Kirikou, je suis sur contrôle judiciaire. J'ai respecté 66 mois de contrôle judiciaire en France. Dans un pays où les aléas de la vie sont aussi compliqués, pour des étrangers, même pour des Français. Il y a des Français qui n'arrivent pas à respecter 6 mois de contrôle judiciaire. Qui n'arrivent pas. Mais moi, j'ai respecté 46 mois de contrôle judiciaire en France. Hein? 46 mois. Ce monsieur d'Adamou, il serait en France et qu'il est en prison actuellement. Parce qu'il n'est même pas seul dans l'affaire. Ils sont deux qui couchaient avec la fille de 16 ans là. Il y a un monsieur qui a une société juste à côté de lui. Puisque je connais tout, il m'a expliqué tout, non? Le monsieur qui a la société où on vend les batteries là, lui aussi il est dans l'affaire. Donc ils sont deux que la famille l'a porté plainte. C'est une fille Bamoun. La famille l'a porté plainte parce que la fille là, elle a 16 ans. Elle a 16 ans. Et ils sont au tribunal. Si l'affaire finit, ça veut dire qu'ils ont corrompu les magistrats. Tu m'entends? Voilà. Donc, je voulais vous dire que je suis très bien. Ne vous inquiétez pas pour moi. Donc, ne tourne pas la caméra. Merci. Dans la vie, est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui t'en veulent? Ils ne connaissent pas, mais ils connaissent ta vie qui est plus grave. Tu ne m'aimes pas, c'est ton choix. Faut pas mêler les jours à des universités. Tu ne m'aimes pas, où c'est toi qui vois. Faut pas mêler les jours. Ça. Quand tu avais un ami qui veut toujours jouer au malin, qui pense qu'il va te prendre pour un idiot, il me trouve, je suis en train de passer moi ma route avec deux filles. Il vient, il me flatte que non, allons chez moi. Et il avait déjà commencé à baratiner les filles en proposant ses maigres 30 000. Les filles ont dit que non, nous on ne fait rien, on ne part pas pour 30 000. Si tu as 50 000, on va. Maintenant, il me voit en train de partir avec les filles, il vient et dit que non, allons chez moi. Tu vas payer, allons chez moi, tu vas payer. Il dit oui, je vais payer. On arrive, les filles vont à la douche, elles prennent les douches, elles se mettent à fumer. C'est que toutes les filles là, c'est les... elles fument, pas le banga. Comme Mafo disait que les filles fument, non, c'est pas des salopes. Hein. C'est des filles qui se cherchent, comme toi-même tu te cherchais avant d'aller en France. Tu n'es pas allé en France parce que tu avais passé un concours ou parce que la bourse, non. Tu es allé en France parce que c'est un homme peut-être qui t'a amené. Ou alors tu as d'abord vendu bien ton piment et si tu as payé un réseau, tu es parti. Bon, ça vous est nombreuses comme ça là-bas. Que vous avez d'abord bien vendu ici avant de prendre le réseau et partir. Oui. Vous-même, vous avez d'abord commencé ça ici. Avant de continuer en main. Vous n'êtes pas allé en main parce que c'est l'école ou le travail qui vous a amené. Non. Vous êtes allé vous chercher là-bas. Voilà, les filles sont déjà nickel. Chez quelqu'un qui nous a dit allons chez. Qui nous a dit, allons chez moi. On ne t'a rien demandé. C'est toi qui proposes que allons chez moi. Si on arrive chez toi. On dit qu'on veut boire le champagne, tu vas donner le champagne. Hein? Si on dit que mets la clim, tu mets la clim. Hein? Mais on arrive, tu sors le banga, tu proposes aux gens. Parce que c'est tout le monde qui fume le banga. Comment un vampire. Tu vois pas, non? Donc, les filles sont déjà nickel. Ils veulent commencer à toucher les filles. Ils disent que non, ne touche pas. Donne d'abord les 50 000. C'est là où il dit qu'il a 30 000. Les filles disent que. On t'a dit qu'on ne prend pas 30 000. Il insiste. Il arrête la fille. Il refait. La fille dit ne me touche pas. Ne me touche pas. La fille refuse. Elles étaient catégoriques. Elles ont pris mes 100 000. Elles ont mis dans les porte-monnaie. Tu comprends? Et j'ai dit à Damou, vraiment, ce que tu fais là n'est pas bien. Tu m'as trouvé, j'allais avec les filles là.
Tu dis qu'on parte chez toi. Maintenant, on arrive chez toi, regarde comment tu te comportes. Hein? On va mélanger les gens. Les filles sont déjà déshabillées, elles se sont déjà lavées, elles sont déjà prêtes. C'est là où ils sortent la carte. Donc, tu vois que c'est un malin. C'est un criminel à col blanc. C'est un criminel. Un jour, il va payer. Parce que le truc qu'on a cassé son synapse ici, il a cassé sa bouche. Ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. Voilà. Tu comprends, non? Tout se paye ici-bas. On a volé ma chaîne, on est allé lui dire, il a caché le secret. Tu comprends? Il a gardé le secret. Vous croyez que je veux continuer à marcher avec quelqu'un comme ça? C'est comme quand les gens, si m'ont arrêté, s'ils voulaient prendre mon passeport. Le blanchisseur du Kayabassi, il était au courant qu'on est en train de me monter un quota. Il a gardé le secret. Alors que s'il me disait, c'est moi que le libérateur, prends ton avion, pars. Parce qu'il y a les gens, ils sont en train de monter un plan contre toi, je partais. Je prenais mon avion et partais au Canada. Le gars gardait le secret. Parce que quoi? On voulait me quota pour prendre l'argent qu'on a vu comment, l'argent qu'il a gagné pour la campagne, qu'Akéré m'a envoyé. Il a gardé le secret. Et ça aujourd'hui, j'ai perdu mon passeport qui avait tous les visas, visa américain, visa canadien, j'ai perdu tout ça. À cause des mauvais amis. Ça qui a décidé de bloquer le salopard d'Abouma. Maintenant, comme ils s'exhibent, ou eux parlent en vidéo, quand ils parlent en vidéo, ils font l'amour par vidéo avec la poupée de Lyon. Maman, je suis dépassé. Tu comprends, non? Elle dit qu'elle est psychopathe. Elle insulte ma mère qui est morte. Ta mère est vivante, mais moi je ne veux pas l'insulter. Ton père est vivant, moi je ne veux pas l'insulter. Mais j'ai dit qu'il ne t'amène pas dans le forum des artistes. Qu'il ne t'amène pas dans. C'est tout ce que je t'ai dit. Toi, insulte-moi maintenant, comment je n'ai pas d'enfant, je n'accouche pas, ceci, cela. Tu sais ce qui va t'arriver demain. Comment d'autres artistes ont les papiers? Dis à Koto parce que pourquoi il est mort alors que d'autres artistes sont vivants. Tu dis que les vrais artistes ont les papiers. Les vrais artistes ont les papiers. Dis aussi à Koto parce que pourquoi il est mort. Les vrais artistes sont vivants. Dis à Erico que pourquoi tu as fait l'accident. Les vrais artistes ne font pas l'accident. Comme tu as l'autre. Ça dit tu es brune mais la tête est vide. La tête est vide. Dis que les vrais artistes. Les vrais artistes ont les papiers. Maman. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Mes collègues ont les papiers. Mes collègues ont les papiers et moi je suis sans papier. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Oh, Tchana Pierre, le philosophe. Tchana Pierre, le poète. Voilà les artistes que j'écoute. Pas les artistes, Tchana Ndolé, le Mbongo. Ils chantent pas ça. Peuple africain, moi je te confie un secret. Pour mieux construire notre continent, c'est dans la tente et le dialogue. Il est inutile. De quoi que la manne viendra du ciel, car tout dépend de nous, pour la prospérité de l'Afrique. Puis mes chers frères, mieux vaut tard que jamais. Si nous voulons aller plus loin, conjuguons tous bien nos efforts. Tenons-nous la main, puisque dans l'unité tout est possible. Au nom de nos enfants, faisons la paix en Afrique, du Cameroun au Zimbabwe. Tenons-nous main dans la main. Il a, oh, le gars, quand il chantait encore cabaret, je chantais les vrais artistes. On m'avait toujours dit que c'était souvent les samedis. On te voyait passer ma femme pour aller dédicace à Fleur de Lille. Pour aller danser. Je ne voulais pas du tout y croire pour éviter mes ventures de bois. Puisque sous mon toit, chérie. Voilà les artistes que moi chantais. Je ne chantais pas. Et monsieur Douala, tout ça. Jamais. Le mari, c'est qui ça? Pour d'avoir un anglais, tout ça. Si j'avais fait des grandes études de langue française, comme c'est dans ce du Sénégal, je saurais peut-être que je pouvais parler français quand même c'est des Antilles. Je saurais peut-être l'explication du mot conjoncture. Aïe, 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 la conjoncture, para, la conjoncture, ma para, les économiques, c'est la sécheresse des banques. Si je pouvais devenir un jour grand économiste comme M. Jacques Delors ou M. Ray Popa, je m'en irais dans tous les pays du monde entier libérateur pour leur expliquer que la crise n'est pas éternelle. Quand j'avais les figures et les accents, mon frère, c'est pas donné.
dans toutes les radiodiffusions du monde entier, dans tous les discours des politiciens du pays confondu en Afrique, ce mot revient, il y a des milliers de chemins dans toutes les villes du monde. Les patrons ne savent plus où mettre leurs requêtes. Même la Banque mondiale déplore cette crise. Même les commerçants de Bangoula n'arrivent plus à vendre. Même les commerçants de Yabassi n'arrivent plus à vendre. Même les commerçants de Bandem n'arrivent plus à vendre. Même les vendeuses de piments n'arrivent plus à vendre. Vous voulez parler de chansons? Au petit morceau de Douala que vous chantez là. Vous mélangez l'honneur. Petite chanson de Douala. Voilà les chansons. Le libérateur! Voilà, maintenant tu vas t'en changer les formes de la phase, là, on va changer les doigts là. Hein? Papa? Hein? Hein, champion? Ils peuvent chanter. Ça n'a rien à voir avec le ndolé. Moi, je chante du bon français. Avant de te moquer de moi, il faut te regarder dans un miroir. Oh, oh, faut te regarder. Avant de juger les autres, faut te juger, yeah, yeah. Dans un miroir. Oh, oh, faut te regarder. Oh. Qui veut noyer son chien, l'accuse de rage. Ah oui, qui veut noyer son chien, l'accuse de rage. Mon frère, vous pouvez ne pas aimer quelqu'un, mais vous dites quand même la vérité. Quelqu'un a volé ma chaîne. Je réclame ma chaîne, que tu as volé ma chaîne. Il dit que non, c'est parce que j'ai dit qu'il a volé. Mais si je viens chez toi, j'oublie mon porte-monnaie. Tu prends mon porte-monnaie, tu prends tout l'argent qu'il y avait dedans. On appelle ça quoi? Hein? On appelle ça quoi? Oh non. Voilà. J'ai oublié ma chaîne dans la voiture d'un ami. Je croyais que c'est un ami. Il a pris la chaîne, allait vendre en Belgique. Le gars là est en Belgique, il ne veut pas se prononcer parce qu'ils sont du même village. Tu comprends que? Parce que le village maintenant compte. Moi aussi, comme je suis dans un petit village, les bandes sont combien? Les bandes sont combien à Douala ou dans le Cameroun? Qui va me soutenir? Personne. Mais le gars là a volé ma chaîne. Et il se confie donc à un soi-disant ami. Ce lait type d'Adamou Chopin. Lait. Tu comprends? Il garde le secret. On marche tous les jours ensemble. Il sait que celui-là a volé ma chaîne. Il garde le secret. Tu comprends? Jusqu'aujourd'hui, il n'est jamais sorti. Il n'a jamais fait une sortie. Maintenant, il vient parler qu'il m'a amené chez lui. J'ai donné 100 000 aux filles. Lui donne 5 000. Je refuse. Est-ce que je suis une fille? Tu as donné l'argent aux filles. Les filles ont refusé. Elles ont dit qu'on ne prend pas 30 000. Hein? Est-ce que moi je vais forcer les filles que prenez 30 000 couchants avec lui? Vous me voulez même quoi? Jusqu'à ma faux support. Je vais prendre 30 000 et je force que non, aller avec lui. Elles ne vont pas accepter. Elles ne vont pas accepter. Hein? Elles ne vont jamais accepter. Elles ont dit 50 000. Moi, je savais que s'ils donnent 50 000, ils donnent 50 000. Ça me fait garder mes 50 000. Mais on arrive, lui dit qu'il a 30 000. J'ai dit que tu es malade. Moi, il passait dans mes endroits. Tu as dit qu'on vient chez toi. Maintenant, on vient chez toi. Tu dis qu'on a utilisé l'eau Tanguy. On a utilisé. Tu connais combien de parcs d'eau Tanguy est chez moi? Depuis que ça fait 20 ans que je suis longue, je ne bois que l'eau Tanguy. En tout cas, je vais faire mon examen de santé, mon bilan de santé demain. Pour te montrer que même aucun microbe, sauf le palu que le docteur a dit, il manque bon. Prends les remèdes de palu. Mais tout, il m'a dit bravo. Bravo, libérateur. Maintenant, tout est bien. Maintenant, fais attention avec les filles là. Et ma faute, je n'ai jamais, moi, je n'embrasse pas les femmes. Hein. Je n'ai pas de contact direct. Moi, pas de contact direct. Pas de contact direct. Quand tu racontes que tu as vu la vidéo, tu n'as rien vu. Parce que si avec la vidéo, comme vous avez mon macabre, ce que vous avez déjà balancé, il y a zéro vidéo. Vous comprenez? Donc, en tout cas, ma foi, moi je t'aime. Je t'adore.
Je t'adore, ma faux. Aïe, maman longue. Aïe, je vais danser, je vais chanter. Ouais, libérateur, j'ai trop de combats. Et je ne perds jamais mes combats. D'une manière ou d'une autre, tu les gagnes. Hein? D'une manière ou d'une autre, tu les gagnes. Je ne perds jamais mes combats. D'une manière ou d'une autre, tu gagnes. Putain toujours. De merde, de mes couilles, de mes bordels. D'une manière ou d'une autre, tu gagnes tes combats, libérateur. Perds jamais. C'est ça. Vous allez me penser, je suis en train de marquer l'histoire. Donc, filme tout droit. Filme pas penché. C'est ça. Jambo, ça va, ma gueule? Je vais te faire interpeller. Hein. Je vais te faire interpeller. Tu as la carte d'entrée. Je te dis, c'est moi. Est-ce que tu as la carte d'entrée? Avec ta voix de pied droit là. Est-ce que tu as la carte d'entrée? Bon, viens me parler si c'est ce que. Aïe avait chanté avec toi. Ouais, libérateur. Tu n'as pas compris, tu n'as pas vu que Aïe a chanté plus que Jambo, merci. Tu as animé ma vidéo. Vraiment, il y a combien de personnes abonnées là? Beaucoup, beaucoup. Monte. C'est ça. Voilà, 900, c'est bon. Dans la vie, est-ce que tu sais qu'il y a les gens qui t'en veulent? Tu ne les connais pas, mais ils connaissent ta vie mieux que toi. Dans la vie, est-ce que tu sais qu'il y a les gens qui t'en veulent? Tu veux me voir la chaise, tu mets là. Dans la vie, est-ce que tu sais qu'il y a les gens qui t'en veulent? Tu les connais pas, mais ils connaissent ta vie mieux que toi. Si tu ne m'aimes pas, c'est toi qui y vois. Faut pas mener les autres à me détester. Si tu ne m'aimes pas, oh, c'est ton choix. Faut pas mener les autres à me détester. Les jaloux vont mourir. Je paye. Je paye. Si Diago une fille me demande l'argent, il lui donne. Vous comprenez? Je suis la gère de vos pauvres familles. Toutes les filles là qui sont là pour chercher l'argent dehors, c'est la famine. Elles sont pauvres en Afrique. Et vous trouvez quelqu'un, moi j'étais un jour en boîte avec les mêmes filles, même les belles filles. Hein. Les gars qui sont venus de Mbek, ils ont acheté les renards pour moi pour 800 000. C'était au Blue Lounge. Ils ont lavé les mains avec le renard. Donc, quelqu'un ouvre une bouteille de champagne de 100 000. Ils lavaient les mains avec, comme ça. Ils ont fini, ils sont partis au Yapaki. Ils ont encore mis la cuvette de renard. Maintenant, le temps arrive, ils rentrent, ils proposent aux filles, tiens, les filles ont dit que quoi? Elles ont pris la moto directement. La fille a dit que le gars là nous regardait comme ça. Il y a combien d'années que vous avez dit que la fille là? La chanteuse a venu donner ses tacos. Il y a combien d'années? Je suis cohérent. Regardez bien, je suis cohérent toujours dans mes propos. Il y a le clash qu'il y a eu quelques années là avec la. Voilà, ça a repris. Ça a fait fuir les gens. Ngam, lève-toi. Dans la vie, alors désormais, abonnez-vous sur cette page et dites à Mafo que moi je l'adore. Donc, qu'elle prenne mon numéro et qu'elle m'appelle le soir et qu'on lance un direct. Il n'y a pas de problème. Moi, je suis l'enfant de Dieu. La haine fait du mal à celui qui est...